Dans la matinée du samedi 18 septembre, Maman Rosa Tanga a conclu sa retraite de formation avec les ministres aux enfants en leur communiquant ce que le ministre aux enfants doit faire pour accomplir les attentes de Dieu dans la vie de chaque enfant qui lui est confié. En effet, le Seigneur a dit dans Matthieu le chapitre 25, le verset 40, « Toutes les fois que vous avez pris soin des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez accordé ces soins. » Ce qui fait ressortir le fait que le ministre aux enfants doit assister et prendre soin des enfants dans tous les aspects de sa vie. Dès que le ministre aux enfants reçoit un enfant, il doit lui parler de Jésus. Saisit toutes les opportunités pour donner Jésus à l'enfant. Les sketchs, les chants et les activités semblables doivent avoir principalement pour objectif de donner Jésus à l'enfant. Quand la Bible dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », les enfants sont inclus dans le « tous ». Alors, les enfants ont autant besoin du salut que les grands. D'ailleurs, au jugement dernier, il apparaîtra devant le trône blanc les petits et les grands. Des détails qui montrent qu'il faut croire et investir dans le salut des enfants. Ensuite, après s'être assuré que l'enfant est sauvé, il faut lui enseigner le baptême et le conduire au baptême. Après quoi, il faut instruire les enfants sur l'assurance du salut. Il faut les conduire à en finir avec le passé, briser les liens malsains, et les apprendre à se consacrer eux-mêmes au Seigneur. Les parents doivent surtout veiller à consacrer leurs enfants au Seigneur. Il faut ensuite conduire les enfants à découvrir l'appel de Dieu dans leur vie et les conduire à travailler chaque jour pour accomplir cet appel à travers la prière et d'autres tâches spécifiques qu'on les confie. Il faut aussi encourager les enfants à servir les parents à la maison et les bâtir en ce sens. Et tout comme Marie et Joseph qui allaient à Jérusalem présenter les sacrifices étant toujours accompagnés de Jésus, il faut que les enfants participent activement aux réunions de l'Église. En somme, le travail du ministre aux enfants consiste à faire de l'enfant un disciple authentique du Seigneur Jésus, tout comme on bâtit un disciple adulte. La soirée du samedi a, elle, été marquée par une rencontre avec les dirigeants et les parents de l'Église. Occasion pour Maman Rosa Tanga de présenter aux parents les instruments à travers lesquels ils doivent accomplir leur tâche de ministre aux enfants. Le ministère aux enfants est en effet l'affaire de tous, mais principalement l'affaire des parents. Car l'enfant passe en moyenne 90% de son temps avec les parents. Ainsi, le parent doit commencer par être un modèle pour les enfants, vu que l'enfant ne sera que le reflet de ses parents. En d'autres mots, l'enfant sera et fera ce que ses parents sont et font. Le premier enseignement que les parents doivent donner aux enfants, c'est donc de leur montrer Jésus et les voies du Seigneur à travers leur propre vie. Le ministère aux enfants est à 90% rendu à la maison. Par les parents, par les gens qui sont à la maison. Donc nous devons faire très attention. La vie vécue, la vie quotidienne à la maison avec les enfants va soit les bâtir, soit les détruire. Aussi, un autre instrument entre les mains du parent pour exercer efficacement son rôle de ministre aux enfants, ce sont les cultes matinaux. Il y a un autre instrument de formation des enfants à la maison, c'est le culte matinal. Les dévotions familiales, le matin à la maison. Qu'est-ce qu'on fait pendant le culte matinal? Nous lisons la Bible ensemble. Pour écouter ce que le Seigneur a dit. Le papa, on peut demander à un enfant de dire ce qu'il a compris. Et nous prions. Le papa, chaque personne qui a reçu quelque chose peut partager ce qu'il a reçu. Et ce sera enrichissant. Et on prie par rapport à ce qu'on a reçu. Et on remet la journée entre les mains de Dieu. Certains enfants ont été sauvés à partir de ce qu'ils ont reçu le matin. Dans des situations difficiles, la parole qu'il a écoutée le matin lui permet de choisir. Des programmes quotidiens à travers lesquels les parents développent en l'enfant la culture des rencontres matinales avec Dieu à travers la lecture des Écritures et la prière. À travers le culte matinal, les parents apprennent aux enfants à lire la Bible et à comprendre les Écritures. Ils initient aussi l'enfant à s'impliquer dans l'étude et l'enseignement de la parole, vu qu'il y est donné l'opportunité aux enfants de partager ce qu'ils comprennent dans les différents passages lus chaque matin. Les conseils des parents sont une autre arme qui permet aux parents de rendre ministère aux enfants. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6,
instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les conseils que les parents donnent aux enfants dès le bas âge les accompagnent et les préservent des voies destructrices. Il y a également l'autre instrument, les conseils des parents. Les conseils des parents. Dieu, en nous donnant les enfants, tu es né avant tes enfants, donc tu as des expériences par lesquelles tu es passé. À partir de tes expériences personnelles, tu peux dire à l'enfant, voici, ne fais pas comme ça, à partir de ta vie. Plusieurs dirigeants et parents ont partagé des expériences qui confirment l'efficacité des conseils des parents dans l'éducation des enfants. Un autre instrument pour bâtir l'enfant, c'est la correction. Il est écrit dans Proverbes chapitre 13, verset 14, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Contrairement à cette tendance mondaine qui consiste à insister sur le droit des enfants tout en excluant subtilement la nécessité de le corriger, même avec la verge s'il le faut, la sœur Rose Atanga précise que la correction incluant la verge fait partie des outils indissociables à l'éducation efficace des enfants. La correction, actuellement les parents, on ne fouette plus les enfants, on ne gronde plus les enfants, on ne fait plus et ça détruit les enfants. Il faut identifier les caractères et attitudes qui peuvent détruire l'enfant et le corriger pour qu'il ne prospère pas dans sa vie. Donc, quand tu es avec les enfants, tu peux savoir, ici, il y a l'esprit d'immoralité qui est caché. Là, c'est un voleur. Ici, il aime le monde. Il va passer son temps, si c'est une fille, elle va passer son temps au miroir ou bien en train de chercher à mettre les choses bizarres sur elle. Tu peux discerner et commencer à corriger. Okay. Toutefois, la correction doit être inspirée par l'amour et le but de voir l'enfant devenir meilleur. C'est avec beaucoup d'actions de grâce que les parents et dirigeants présents à cette rencontre ont reçu ces conseils du Seigneur pour leur efficacité dans leur rôle de ministre aux enfants. Ils ont ainsi crié au Seigneur pour que chacun de ces instruments soit efficacement manié par chaque parent afin que nos enfants dans l'Église demeurent et croissent dans les voies du Seigneur. L'apothéose du programme s'est tenue ce dimanche 19 septembre où elle a eu une adoration d'ensemble avec les enfants. Plus de 3000 enfants étaient présents à ce programme qui a été marqué par une ambiance aussi festive qu'évangélique. En effet, Maman Rose a saisi cette occasion pour présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aux enfants. S'appuyant sur l'histoire de Sodome et Gomorre, elle fit ressortir le fait que tous les enfants qui vivent comme les habitants de Sodome et Gomorre subiront la même colère de Dieu que les habitants de Sodome et Gomorre ont subi. Car le feu qui a consumé la ville a consumé tous les habitants sans exception, les enfants faisant donc partie. Toutefois, elle leur a aussi présenté que le pardon et le salut de Dieu est disponible en Jésus-Christ. Elle invita ainsi les enfants à se repentir de leurs péchés et à donner leur vie au Seigneur Jésus en vue de leur salut. Touchés par ce message, ce sont 262 enfants qui ont été gagnés et conduits au Seigneur. La joie dans le ciel au regard de cette abondante moisson s'est prolongée par des prestations que les enfants ont effectuées pendant ce programme. Chants et ballets étaient au rendez-vous et surtout récitation de versets bibliques. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui t'est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est avec ce programme que la responsable internationale du ministère aux enfants a clôturé ses rencontres collectives avec l'Église. Nous avons véritablement espéré cette venue-là et nous croyons que nous avons bien fait parce que cela a contribué davantage à ressortir les régions qui étaient encore réticentes par rapport au ministère aux enfants. Pas qu'elles rejetaient le ministère aux enfants, mais que leur évolution était lente. Ces régions-là nous ont fait l'honneur d'être présentes pour qu'ensemble nous puissions passer des moments agréables avec notre maman. Nous disons davantage merci au Seigneur parce que nous avons trouvé également au milieu de nous une femme simple, une femme bien disposée, une femme engagée véritablement à la conquête des enfants. Et cela nous réjouit et nous a donné beaucoup de force. Nous avons passé donc effectivement 5 jours de communion véritable.
Et ce dimanche, comme vous le voyez, nous avons donc conclu en ayant une rencontre avec nos enfants, une rencontre festive où nous avons ensemble béni le Seigneur. Nous l'avons loué, nous l'avons glorifié. Nous avons, au travers des chants, des récits, partagé ce que nous connaissons de Dieu, ce que nous avons de Dieu. Et ça a été vraiment une belle fête. Nous bénissons le Seigneur qui nous a visités de cette manière-là et qui nous donne à tous, en tant que ministres enfants, renouvelés, engagés plus que jamais à bâtir nos enfants pour la gloire de Dieu. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Que son nom soit béni et que la gloire lui revienne pour le travail qu'il mène au milieu de nos enfants. Moi, ce qui m'a marqué ici à la, ce que maman Atanga Rose nous a dit, ce qui m'a marqué, elle a parlé du comportement à la maison. Elle nous a dit que quand les parents font quelque chose, les enfants les imitent. Que les parents aussi doivent avoir de bonnes attitudes à la maison. Parce que s'ils n'ont pas de bonnes attitudes, ils peuvent faire aussi des mauvaises attitudes envers les étrangers. C'est ce qui m'a marqué. Ce que moi j'ai compris de ce que maman Rose Atanga a expliqué aujourd'hui, j'ai compris que les parents doivent avoir une bonne attitude parce que les enfants imitent le comportement des parents. Et les enfants aussi doivent avoir un comportement parfait envers les parents. C'est ce que moi j'ai compris. Amen. Maman Rose a dit que les gens de Sodome et puis de Gomorrhe étaient méchants. Et puis Dieu était fâché contre eux. Puis Dieu les a brûlés. Et puis Dieu, il a épargné Lot avec ses deux filles, avec leur mère. Et puis, ce que moi j'ai retenu, c'est que d'être gentil, de ne pas pécher, pour ne pas que Dieu ne pas ton enfer. Ce que moi j'ai retenu. Amen. À la suite de tous ces ministères rendus, une réception festive a été accordée à Maman Rose à la maison pastorale chez les Meuniers. Un moment de restauration et surtout de réjouissance dans la présence du Seigneur. Le lendemain matin, elle a visité le site du quartier général de la CMCI, Sisa-Tiekwa. Et ce matin, nous avons fait une petite visite. C'est assez vaste. Nous avons vu le terrain assez vaste. Nous avons vu comment on a découpé les arbres. Et il y a un espace pratiquement qu'on appelle un lieu de retraite en plein air sous les arbres. Et il y a la piste de marche de prière, là quelqu'un peut marcher. Donc c'est bien, c'est un endroit où quelqu'un peut se retirer, un endroit où l'air est frais. Et lorsque je regarde, avec les investissements d'ici quelques années, c'est un endroit qui sera, un endroit qui sera vraiment fantastique. Et pour la gloire de Dieu, selon les prévisions et ce qu'on devra faire sur place. Mais pour le moment, il y a de la verdure. C'est bien visible, on peut se mettre sous les arbres et respirer de l'air frais. C'est un endroit où le Seigneur est vraiment, et c'est fantastique. Après la visite sur le site d'Atiekwa, elle a eu un entretien avec plusieurs frères et sœurs, ainsi qu'avec la RTVC, avant de se reposer pour prendre le départ pour le Cameroun le mardi 21 septembre à 19h.